Voici la plus grande merveille que j'ai exprimée en mes vers, prédestinée, prête l'oreille et mêle avec moi tes conseils. Je m'élève par sur moi-même. Je monte jusqu'au bienheureux. Et jusqu'au monarque suprême. Plus élevé. Ici-bas
et qu'il faut deux fois pour le croire. Quand un cœur ne le goûte pas, ce cœur dès que l'homme l'aborde, il élève Dieu son créateur. Exalte sa miséricorde et lui rend un parfait honneur. Chose étonnante, il s'humilie devant son Père à tout moment. Il loue, il adore, il supplie. Il parle pour nous puissamment. Vers son Père, ce cœur jette en haut nuit et jour. Oh, qu'il aime l'homme, son frère, d'un pur et d'un ardent. Pour brûler la terre et les cieux. Depuis qu'il est cœur, il nous aime sans cesser d'aimer un moment. Il nous aime autant que lui-même, avec excès de leur victime.
nos péchés sont pardonnés. Dans ce cœur les plus saintes âmes, les plus grands amis du Sauveur ont puisé leur plus pure flamme, leur plus ineffable ferveur. De la grâce de Jésus-Christ, voici la fontaine admirable de tous les dons du Saint-Esprit. C'est ici la source de vie, en qui tous les saints ont puisé. C'est ici le bel incendie dont le cœur était embrassé. Oui, on trouve en ce cœur tout arme, il en est le grand arsenal. On trouve en lui les plus saints charmes pour charmer et vaincre le sainte retraite où l'on évite tout péché, où l'âme la plus imparfaite devient très sainte à bon marché. Voici la ville de refuge où l'on n'est jamais outragé, et la vraie arche du déluge où l'on n'est jamais submergé. Grand cœur percé qui touche et qui désarme un Dieu vengeur, sa plaie et sa divine bouche qui plaide et qui le rend. Chaque
ce cœur, Dieu le Père n'a frappé le pauvre pécheur. Ce cœur apaise sa colère, obtient sa grâce et sa faveur. Voici l'ouverture sacrée du saint cabinet de l'époux où l'âme pure est enivrée du vin de l'amour le plus doux. Dans ce cœur l'âme est embaumée de l'odeur des plus doux parfums. C'est en lui qu'elle est enflammée des feux qui ne sont pas communs. Ce cœur est notre arche vivante qui renferme toute la loi, les secrets de l'âme innocente et les mystères de la foi. C'est en ce cœur que notre maître forma tous ses secrets d'amour avant de les faire connaître, avant de les produire au jour. Cœur a formé ses oracles avant qu'il les eût proférés. Son cœur a formé ses miracles avant qu'il les eût opéré. En cette source de lumière, les favoris de Jésus-Christ ont pu les plus hauts mystères, les plus grands dons du Saint-Esprit. C'est dans ce trésor d'innocence qu'ont été formés tous les C'est en lui qu'ils ont pris naissance
consommer tout leur dessein. Ce cœur est le trou de la pierre où l'on trouve une douce paix. C'est le paradis de la terre où l'ange les hommes parfaits. C'est en ce lit que se reposent les plus grands amis de Jésus. C'est par ce cœur qu'il se dispose à ses plus sublimes vertus. Ô grand cœur, ô profond abîme de la profonde humilité. Ô grand cœur, ô trône sublime de la parfaite charité. Ô grand cœur, miracle du monde qui contient tout en vérité, avec le ciel, la terre et l'onde, toute la sainte Trinité. Ce cœur adorable, je loue avec proportion le cœur de sa mère admirable. Tant est si grande leur union, ce n'est que vous seul que j'adore. Cœur de mon Dieu, cœur glorieux, mais en vous adorant, j'honore le cœur de la reine des cieux. Chrétien par le cœur de Marie, on aime le cœur de Jésus, puisque Jésus a pris la vie dans son cœur et ses vertus.
de son cœur tout de flamme. Le cœur de Jésus est formé. Ils n'ont qu'un cœur, ils n'ont qu'une âme. L'un et l'autre doivent être aimés. Sans partage,
dans cette cœur miraculeux, et l'un et l'autre vous engage à n'en voir qu'un seul dans les deux. Chère âme montée en cachette par ce cœur tendre au cœur très haut, vous deviendrez bientôt parfaite en aimant ce cœur comme il faut.